Bonjour, nous verrons dans cette vidéo les trois étapes à suivre pour pouvoir supprimer un fichier créé avec Midcode EV3. Tout d'abord, il faut se rendre sur monurl.ca/supprimer-ev3 pour télécharger le fichier PDF. Ensuite, il suffit d'aller déposer le fichier PDF téléchargé sur la brique de programmation de la même manière que vous y avez déposé votre fichier de programmation. Il nous sera maintenant possible d'effacer les fichiers en sélectionnant le dossier Brick Program Save. Dans ce dossier, il faut sélectionner File Manager, l'exécuter. Un menu apparaîtra. On pourra sélectionner les fichiers que l'on veut supprimer. Après les avoir sélectionnés, il faut appuyer deux fois sur Delete File. Chaque fois que vous voudrez effacer un programme, vous n'avez qu'à répéter cette étape 3. Il n'est pas nécessaire de réinstaller le fichier PDF à chaque fois.